La juste qui peut jouer un petit peu plus fort, c'était vraiment le moins là. On s'en fait ça sur... 2 ans que le public tourangeau attendait ça. Le groupe Ézéchiel se produira vendredi, samedi et dimanche à l'Opéra de Tours. C'est donc l'heure des dernières répétitions. Ils ne seront pas 4 sur scène, mais 60. Pour leur concert Naphtaline Orchestra, ils ont fait appel au Conservatoire de Tours. Deux mondes se rencontrent, le classique avec ses partitions exigeantes et Ézéchiel, groupe expérimental. Il a fallu un temps d'adaptation pour se comprendre. Toute la complexité, c'est justement de faire vivre cette partition qui est simple, pour faire de la musique avec du traitement de matière, traitement d'ambiance, tout ça. Et c'est là où il y a justement cette différence entre eux qui sont habitués à jouer un répertoire assez compliqué des fois, et nous qui sommes habitués aussi à faire vivre des moments musicaux peut-être des fois plus simples au niveau de l'écriture, mais qui tiennent justement de l'interprétation et de la... et du ressenti de musicien. C'est le 3e cycle du conservatoire qui participe à cette expérience unique. Ils ont entre 15 et 55 ans. Tous ont découvert un nouvel univers musical. L'alliage, il est pas compliqué, il est cohérent puisque l'écriture est assez simple. Le répertoire en symphonique est quand même beaucoup plus dur. Par contre, c'est beaucoup plus de concentration et c'est beaucoup plus physique. Ça nous ouvre beaucoup vers de nouveaux horizons. Oui, ça nous apprend à travailler en groupe, tout ça. Donc, c'est bien. Une association réussie car le résultat est planant. Les concerts de vendredi et samedi sont complets. Il reste seulement quelques places pour le dimanche.